Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. L'œuvre étrange de Dieu. Lisons Ézéchiel 33, le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouillez-vous, maison d'Israël ?» Punir pour notre miséricordieux Père Céleste est une tâche étrange, inaccoutumée. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » Ézéchiel 33, verset 11. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et néanmoins, il ne tient point le coupable pour innocent. Exode 34, verset 6 et 7. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Néhémie 1, verset 3. C'est par des châtiments terribles qu'il défendra les droits de sa loi outragée. On peut juger de la sévérité du châtiment qui attend le transgresseur par la répugnance que le Seigneur éprouve à faire justice. Telle nation qu'il a longtemps supportée et qui ne sera frappée qu'après avoir comblé la mesure de ses iniquités, boira enfin la coupe de sa colère sans mélange de miséricorde. Le Dieu de justice n'épargna pas son Fils. La dette entière par la transgression de la loi de Dieu était requise de notre médiateur. Une expiation totale était exigée. Ici, les paroles d'Ésaïe sont appropriées. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Son âme devint une offrande pour le péché. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, le verset 10. Jésus subit la peine extrême de la loi par nos transgressions et la justice fut pleinement satisfaite. La loi n'a pas été abolie, elle n'a pas perdu un iota de sa force, elle apparaît dans une sainte dignité. La mort du Christ sur la croix atteste son immuabilité, ses exigences ont été satisfaites et son autorité maintenue. Est-ce que Jésus a reçu une remise de peine parce qu'il était le Fils de Dieu? Les coupes de la colère divine ont-elles été éloignées de celui que Dieu a fait pécher pour nous? Non. Le châtiment tomba dans toute sa rigueur sous notre divin substitut. Écoutez son cri. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. « Il fut traité comme un pécheur afin que nous puissions être traités comme des justes, afin que Dieu puisse être juste tout en justifiant le pécheur. » Les mots sont impuissants à décrire l'amour de Dieu. Nous croyons en cet amour. Nous nous réjouissons en lui, mais ne pouvons le comprendre. Remue Ménage, de quelle façon voyez-vous l'amour de Dieu reflété dans les jugements divins? Comment vous préparez-vous pour échapper au jugement qui viendra bientôt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage. Remue Ménage.